Salut YouTube, on est sur du Shogun 2, on est sur la campagne Shosokabe, Shogun Vanilla, donc vraiment la base du jeu. On en était, on venait d'envahir le territoire, l'île principale du Japon. On était en guerre donc contre un des plus forts, hein. Tout de suite on a été dans le vif du sujet, les Hanato, qui possèdent 16 provinces. Puissante et prospère. Par contre, l'avantage c'est qu'ils sont en guerre au nord et au sud. Le seul désavantage c'est qu'ils sont ils sont des alliés du shogunat Asano, donc les grands patrons. Et le shogunat Asano, en fait, ça leur fait une. En fait, là, on se retrouve dans la fâcheuse situation où je ne peux pas traverser. À part si je leur demande un laissez-passer militaire, mais ça m'étonnerait qu'ils acceptent. Et où eux, comme ils sont alliés, ils peuvent traverser cette petite bande, et en plus, ils peuvent traverser... genre, je pense que mon armée, là, elle peut très bien aller par là, tout de suite, sans problème. Ici, mon armée, elle est pas très au point, enfin, elle est mal au point, parce que la dernière bataille qu'on avait fait juste avant la fin du stream l'avait mis dans de mauvaises... dans un mauvais état. Voilà. Ça nous avait pas fait du bien. Income, niveau income. Alors j'ai bougé la caméra parce que j'avais remarqué en fait que ça cachait l'income. Pas très malin, mais bon. Voilà, donc j'ai réglé ça. On avait dit que notre bateau allait faire le ménage maintenant qu'il a été réparé, donc on va le faire avancer par là. Est-ce que ici j'ai construit un marché? Non, non. Et là j'ai un marché. Donc ici on va faire un Metsuke qui va s'occuper de la ville de Setsu. Il va s'occuper de la ville de Setsu. Et en plus comme ça il pourra arrêter. Et on va faire sortir aussi des ninjas. Et on va commencer à mettre pas mal d'agents dans le coin, histoire que on. Qui monte de niveau et qu'on puisse contrer, parce que par exemple déjà on a déjà un ninja qui est ici. Bon, il est niveau 1, donc pas très dangereux. En plus j'ai mon ninja qui empêche les actions, qui réduit les chances d'action vu qu'il est dans la ville. Et c'est pour ça qu'on va sortir des Metsuke. C'est un peu la police, et la police elle va empêcher encore plus les ninjas de faire des actions nous dérangerait. Niveau des arts, on finit ça, ensuite on ira chercher sûrement les Mongono pour aller voir un peu ce que ça vaut. Et c'est parti. Donc eux ce sont mes alliés militaires. Le temps que... Ah oula, il y a un autre bateau, mais voilà. Maintenant c'est la grosse guerre parce que... Enfin, c'est un peu, il est un peu dans une mauvaise position. Voilà, il fuit un peu tout de suite. Vu qu'il y a beaucoup de nos bateaux, moi j'ai une grosse flotte. Et j'ai pas beaucoup de flotte, mais j'ai une grosse flotte. Ah, par contre, il vient de prendre une nouvelle ville. Ça m'arrange pas. Commerce perturbé. Hop, va falloir que je refasse encore du commerce. Tentative d'assassinat, c'est ce qu'on avait dit. Le ninja ennemi. Agitation quand il saute assez dessous, ça on le savait déjà. Donc là, mon armée. Hop, le ninja. On assassine. D'accord, alors... Ah voilà, bien ce que je me disais. J'ai eu peur. Alors tiens, c'est marrant, parce que comme j'assassine un ninja, normalement, c'est vrai que... Est-ce que ça me met une cinématique où on assassine un ninja? Ah oui, d'accord, on considère que c'est lui le ninja. Ah non, c'est peut-être un garde, lui. C'est ça. Ah, intéressant. Non, j'ai raté l'assassinat. À 89%, le mec. Il était chaud, hein, le gars, avec sa petite. Avec son petit bâton là. Son éventail, je pense. C'est un éventail ou c'est un truc pour donner des ordres? Ah, je me demande bien où est-ce qu'il est passé. Hein. Bon, bah tant pis. Hein. Échec de l'assassinat. Bon, bah. Pour ma part aussi.
Après, il est encore dans ma ville. Combien de tours? 2. C'est dessous qu'on va augmenter, hein. 1600. Par contre, je vais pas avoir assez pour recruter. Oui, il m'en faut 500. Alors. On va faire une résolution auto, hein, tant qu'à faire. Ben voilà. C'est très bien ça. Alors attendez, qu'est-ce que je fais? Non, annulé. C'est vous. Hop, je peux pas tout réparer. Ah ouais, je peux tout réparer. Et là du coup j'ai ça, ils vont défendre mon navire de commerce qui va aller chercher un peu de pognon. Et toi on te réparera au prochain tour, t'es pas très abîmé. Ouais c'est bien ça, avec des engins incendiaires ça peut bien foutre le zbeul chez les ennemis. Au prochain tour, il va y avoir une rébellion que je vais pouvoir mater, hein. À part si elle pop ici, je vais pouvoir me la mater. Je me demande s'il y a un... Ah oui, il y a les moines bouddhistes. Faudrait que je regarde à quoi ils servent les moines. Oh là 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 là, ils vont venir m'emmerder avec tous leurs agents là, ça y est, c'est ce que je disais. Hein. Tentative de capture, évidemment. Tentative d'assassinat, rébellion. Voilà. Donc. Ah bah ils sont là, c'est parfait. Oh oui, bah voilà, vous avez vu la rébellion. Donc, dans l'armée. On va tuer le ninja, hein, toujours. Parce que lui, il assassine. Alors après, il peut juste te blesser. Cible assassinée, voilà. Au moins, il nous laissera tranquille. Ensuite, l'armée, elle détruit ça. Bien sûr, il ne veut pas. Il a fui. Résolution auto. Et on retourne ici. Maintenant ici ils sont contents parce qu'il y a une répression militaire. Oh, par contre la croissance est moins 18 là. Autre, c'est quoi autre? Mécontentement. Ah oui, oh, bah, voilà, ils sont pas contents. Mmh. Là c'est ça que je veux construire. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, alors ces navires là. C'est ici. On a dit qu'on réparait et réparer. Ah oui, c'est on voit mal les icônes, mais c'est en cours. Et voilà, maintenant on va recruter Metsuke qui va se mettre dans la ville pour la surveiller. Celui-là il est dangereux? Non plus. Dès que la situation sera calmée, ici on va devoir sortir une armée. On n'a rien pour sortir une armée par contre. Donc là on va sortir de ce bastion, on va sortir une armée. On va peut-être laisser notre général d'ailleurs ici. Il est loyal lui? Oui, tout à fait. Et on va aller capturer Tamba. C'est vrai que j'aimerais bien, par exemple, juste raser ces deux régions là, parce que... Ah, quoique... Ah ouais, ouais. Ah oui, c'est ce que je disais, hein. Ils peuvent se balader complètement librement ici, et ça m'arrange pas. Quoique, le recruter... Non. Omi. C'est quoi Omi? C'est où Omi? Non. C'est là. Euh,
La province suivante, Omi, mais j'aimerais bien savoir où est-ce qu'elle est. Yamato, ça doit être ça? Non, ça c'est Tamba. Omi, Omi, non mais voilà, c'est ce que je disais, c'est que on est. On va essayer de gérer un libre passé, un accès militaire, mais Faites-moi vos beaux jamais. discours, Cinq tours. mais ne vous imaginez pas un seul instant que seuls tes mots feront pencher la balance. Oh, ouais, d'accord. Le mec, clairement, il est pas d'accord, hein. Parlons comme des hommes sensés de plusieurs choses et concluons un accord. Allez, c'est parti. Et là, maintenant, lui, il se retrouve dans la situation. Alors, la mauvaise situation, que c'est moi qui peux traverser et aller capturer Omi et mettre un chantier. Et là, du coup, par contre. Je peux en faire un vassal. Comme ça, il se débrouille. Voilà. Il a ça pour faire des ninjas plus forts, mais je l'ai aussi, donc ça me va. D'ailleurs, en parlant de ça... Ah non, attendez. Peut-être que ici... non, il reste encore un tour. Donc on va le faire, ce ninja. Surtout que il a deux niveaux de plus, donc il est déjà... il est déjà... apte. Voilà, il peut saboter, il peut assassiner correctement. Toi, tu vas venir surveiller la citadelle. T'es déjà niveau 2 en plus. Oh. T'es bien pour surveiller les villes. En fait, s'il est fort pour surveiller les villes, il est fort pour pas se faire avoir par les... comment ça s'appelle? Par les ninjas. Nous, on va rentrer et on va s'occuper de ça. Cette armée-là, ici. On avait dit qu'on allait mettre une armée. Et on va aller voir ce qui se passe de ce côté-ci. Là, il y a une armée. Là, il va y avoir de la baston. Dans 3 tours, on l'attaque parce que comme ça, on va profiter de son... de son bâtiment. On va peut-être pouvoir capturer Iga aussi. Putain, mais il n'y a que des écoles de ninja dans le coin. Hein. En même temps, je crois que c'est ici, dans la vraie histoire, que les ninjas ont le plus prospéré. C'est le clan Tsu, je crois. Bah oui, mais c'est de toute façon... Ah non, Asai. Ah, je peux commercer avec d'autres gens. Toi, t'es très amical. Inamical, indifférent. Non, mais j'ai vu que. Toi, par exemple. Ah oui, mais je peux pas commercer avec toi. Inamical, mais bon. Un petit accord commercial, voilà. Parlez. Ah oui, voilà. Pouah, l'argent, quoi. L'argent, la monnaie. Vous êtes réparé. Donc, vous allez vous mettre en opposition ici. Pour capturer tout ce qui viendra. Comme ici l'ennemi vient que du nord, vraiment, soit il doit faire tout le tour de l'île. Là, ils ont moins tendance à passer loin des côtes, parce que c'est très vite on se retrouve dans des zones où l'usure fait effet sur les bateaux. Donc le jeu a moins tendance à aller dans les zones d'usure. Et bah écoute, ça me paraît bien tout ça. Je peux rien construire d'autre de toute manière. Je suis... bloqué. Ah, j'ai... Par contre, si. Ce que j'aurais pu faire, c'est... C'est changer, comment... De direction de recherche de clan. Eux, faut vraiment qu'on fasse gaffe. Hein. Pour l'instant, on est... bons copains. Voilà, c'est ce qu'on disait. Ils arrivent. Votre commercial est attaqué. Bon, après, ils viennent attaquer juste à côté de moi. Hein.
Voilà. Oh. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. Donc ça, faudra le focus avec les armes à distance et les cobayas engins incendiaires. Ah oui, oui. Là, il a une force navale supérieure technologiquement. Donc on va voir pour la première fois les batailles navales qui sont bordéliques, je dirais. Ouais, bordéliques. Alors on attend la pluie, non, le brouillard, non. Ben voilà, on va faire la première dans des conditions honorables, correctes. Alors, les archers, c'est quoi ça, vitesse de bataille? Ça augmente la vitesse d'un navire. Une fois activé, il faudra... Oui, d'accord, il n'y a pas de malus. Ça c'est pareil, vitesse de bataille. Ça c'est les bunes, c'est celles qui peuvent attaquer. Alors, navire de commerce, on s'en tape. Ah, il bouge pas. Donc c'est ça, c'est ces deux navires là qu'il faut faire hyper gaffe parce que ça c'est voilà des équipes d'armes efficaces de samouraï. Alors, on va faire comme d'hab, on va aller prendre par le côté. Hein. Marrant, c'est qu'il me tourne. Il se tourne vers moi comme si ça avait un intérêt. Ça, c'est un navire de commerce, hein, ça va prendre. On s'en fout quoi, ils sont 32 là-dedans. C'est des totos. Regardez à l'intérieur, c'est vraiment. C'est quoi l'intérieur des cobayas? Ouais, ça, c'est les archers donc. Ils sont là, hein, les gars, hein, ils sont dedans. Ah, ça a pas l'air d'être non plus la folie. Hein. Ouais, non, c'est des totos aussi. Hein. Faut pas croire que ça va être non plus ultra fort. Toi, par contre, t'as beaucoup moins de. Oui, voilà. Non, c'est toi qui veux que je. Erreur de manip. Hop, hop, hop. Voilà, on va commencer à les titiller depuis le navire de commerce. Les flèches de feu sont réservées pour les grosses barges pleines de samouraïs. On va les faire cramer sur leur petit navire. Ça y est, ils arrivent. Hop, toi t'avances aussi. En fait, vous allez carrément l'aborder. Hein. Allez, hop. Et vous allez aborder ce navire-là. Voilà. Non, alors attends. Vu leur trajectoire, c'est toi qui abordes ce navire-là et toi qui abordes ce navire-là. Bon, apparemment, les deux navires les plus dangereux ne veulent pas venir, donc c'est tant mieux. Ils vont tellement lui mettre la sauce là, je crois. Ah, attends, toi, attaque lui. Toi, attaque lui du coup.
ne sert à rien d'aller chercher des navires qui sont complètement à la ramasse. Ça, c'est un navire incendiaire, donc on fait hyper gaffe. Hein. Ça, c'est Cobaya d'Archer. Hein. Ouais. Bon, bah, je pense que c'est gagné là. Oui, ils sont en train de prendre la méga sauce. Et ils ont laissé tomber. Eux ils vont perdre forcément, hein. Ils se font à la fois assiéger. Oui voilà, c'est pas des super samouraïs non plus. Alors eux par contre ça va pas être la même tisane. Hein. Par contre j'aimerais bien. Mais par contre ça va, l'IA a l'air de ne pas y arriver. Là ils ont quand même des archers hein. Ah, mais pas beaucoup hein. Vous avez des archers vous? Non ils ont genre 6 ou 7 archers. Qu'est-ce qu'ils font mes bateaux? Ah voilà, ça y est. Allez là! Hop, on le bloque. Est-ce que vous passez un bon moment? Je ne pense pas. Là, je veux vous voir ici. C'est bon, ils ont abandonné. C'est mou, hein. Bon, après, on gagne. Ah, ça, c'est marrant, lui, il a une... Il doit être le capitaine du navire. Qu'est-ce qu'ils prennent dans la planche là? Comme ça je peux bien l'attaquer là. Allez-y, balancez vos... Voilà, c'est ça qu'on voulait. Là il se prépare à m'assiéger, mais voilà. Bah, pas à m'assiéger, mais à m'aborder. Et bah c'est gagné. Bon après là, c'est une victoire mais en demi-teinte, hein, l'ordinateur clairement il... Je sais pas ce qu'il a. Pourtant on est en déficit hein, mais... Je pense qu'il a un peu du mal à gérer les batailles navales, il sait pas trop comment s'y prendre. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Un navire de commerce, Cobaya d'Archer, Cobaya d'Archer, bon bah tout ça, ça dégage. On en veut pas. Oui. Hop, on répare. On a de l'argent. Ici, on laisse un peu de côté, hein. C'est pas... on est bien pour l'instant.
Donc, est-ce qu'on fait des samouraï katana? Ouais, je pense qu'on va faire des samouraï katana ici, hein, vu qu'on va rester en défense. Hop. Et j'ai pas assez pour monter ça. Ça, on a dit qu'on le montrait après. C'est ici hein, qu'on va faire ça. On va se focus sur cette ville là. Donc, toi tu te mets là. On va attaquer Iga. Iga qui peut. Qui peut devenir juste notre Iga à nous. Parce que clairement elle est complètement enclavée tant qu'eux ne nous déclarent pas la guerre. Il n'y aura aucun souci. Omi va nous servir de complètement de... De comment? De tampon. Oh non. Est-ce que tu peux me dire comment ça se passe là-bas? Ouais. Ok. Ça ne coûte rien. Ça me fait monter... Ça fait monter le niveau du petit gars. Toi, il y avait un samouraï. Ah voilà. Assassiné. On y va. Normalement, ça devrait être cool. Ça devrait passer. La petite cinématique. Ah merde. Il y a un tambour. Je la sens mal. Non, tu me dis pas que. Et si. Alors attention, parce que s'il fait. Non, super. Je me suis dit, il va lui faire un gros coup de tambour. Ah, c'est passé. Quand ça passe, c'est pas très rigolo. Hein. Bon, on assiste clairement à la vue. Ah, mais oui, mais on l'avait déjà vu, ça. Je laisse mon couteau. Mon beau couteau, en plus. Hein, bien damassé et tout. Et ben voilà, c'est très bien. Bon, quand on regarde la petite cinématique, on est un peu triste pour le bonhomme qui vient de se faire percer les poumons pendant sa nuit, mais quand on revient sur la carte de campagne, on est content que le gars soit plus là, quoi. Toi, ça il nous recherche ça, Kobaya. Je regarde un peu ce qu'on a. On a les monastères ici. On a dit qu'on allait chercher les mangonos, mais... Où est-ce qu'ils ont eu les autres trucs? Ils sont déjà là, là? C'est juste moi qui... En fait, on peut les avoir déjà de base. C'est juste que peut-être que j'ai pas les ports... Bon, je vais finir ça. Plus 10%. Permet bataille nocturne. Permet de recruter et de reconstituer. Oui. Ouais, bon, on va faire ça. Après, on va partir là-dessus. Donc avec mes 223 de pognon en jeu, je ne peux rien faire. Le problème c'est que lui il est légèrement en avance et je sens que il... Ah bah c'est parfait. Va-t'en. Et je te prends la place. Et là on se fait un max de blé. 3000. Maintenant, faut qu'on garde. Donc, comment ça marche ces petits trucs-là? Donc, il faut un navire de commerce. On emmène le navire de commerce au point. À ce point. Et tant que le navire de commerce est sur le point, on est en commerce avec eux. Le problème, c'est qu'il faut défendre ce navire de commerce. Des navires de commerce qui ne sont pas du tout faits pour la guerre. Voilà, par exemple, là. Traité de paix. Bah, tiens donc. Une paix honorable. C'est tout ce que je. Non.
Je te vois jugé et emprisonné. D'accord. Est-ce que tu peux l'assassiner? Oui. Cible assassinée. On va pas regarder à chaque fois les cinématiques maintenant, on commence à... Surtout que là, on voit. On regardera quand elles sont ratées. Alors, Iga. Iga, par contre, j'aurais pu réparer. Est-ce qu'on veut... Non, on veut... Quoique... J'ai demandé la construction de quoi? Je croyais qu'on avait masse blé. D'ailleurs, en parlant de blé, hop. Ah oui, la route commerciale, elle a été attaquée. Ouh. Ah, les enfoirés. Ah bah non, mais c'est pas ça. Ah mais c'est parce que je peux plus encore commercer avec eux là? C'est encore ça? Non? C'est quoi le bordel? Ah c'est eux. C'est eux? Oui ça a l'air d'être eux. Je comprends pas là, ils sont clairement pas en train de... En fait c'est simple. Route commerciale attaquée. Ouf. Bah ici c'est tout. Pourquoi moins d'argent là? Attends, je comprends pas, je suis à 3000 de pognon. Ah, peut-être que c'était j'étais en mode c'est l'été, du coup ils produisent un max. On va te mettre là. Ah. Évidemment. Ok. Moi, ça tombe bien, on est bouddhiste. Je comprends pas pourquoi on fait un commerce. Ah oui, parce que c'est uniquement avec la capitale. Ah oui, donc moi je serais uniquement un commerçant. Comment, maritime. Bon, à savoir. Combien de tours encore? Un tour. Alors à savoir que sur le long terme, après, les armes à feu vont commencer à débarquer en petite quantité dans au Japon. Ah. Oula, il y a du monde. Oula. Ouais, je pense que c'est le c'est la bonne strat. C'est ça qu'on veut, on a dit. Les mangonos. Ici. Petite armée, grosse armée. Grosse armée ici aussi. Et là, qu'est-ce qu'ils ont comme armée? Ah, ils ont rien du tout. Hein. Sauf que moi, je peux m'y mettre. Sans avoir l'attrition. Ici, on va mettre à zéro. C'est pas grave si on perd un peu d'argent. Comment ça se passe ici, vous voyez? Recrutement. Samouraï Katana. Toi, t'es un moine. On va te... Enfin, t'es pas un ennemi. J'ai un peu peur de cette armée, on va essayer de saboter l'armée. C'est peut-être là-dessus que j'aurais dû l'échec du sabotage, évidemment. Ça coûte cher de saboter l'armée. Hein. Ninja augmente de rang, bon, c'est déjà ça. Hop. Vous voyez la différence, c'est que lui, il a monté de rang et à chaque fois, en fait, la petite affiche, elle change. Pas le design 3D, mais le dessin, oui. Et c'est comme ça qu'on peut vite reconnaître entre un moine, enfin, entre un agent qui est bas niveau, bon, au-delà du...
Regardez toutes les étoiles qu'il y a là. Si je me mets là, c'est mieux même. En embuscade. Les bateaux. Faut pas oublier les bateaux. Ah, ils vont me pomper le. Ils vont me faire chier. Non, on en veut pas en plus de tes bateaux. Arrête de me les donner. Pourquoi j'étais à 3000 et là que je suis en dessous? Ah oui, c'était. Là, on a dit que c'était sûrement la saison. Ah bon, bah c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais cliquer à côté, mais c'est pas grave. Bonjour. Tu viens pas m'aider? Alors, ils ont de la cavalerie. Ils ont 3 généraux. Ils ont pas beaucoup d'archers. Hein. Ils ont 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça devrait le faire. De toute façon, ça se voit. Hein. Ils ont beaucoup de cave et j'ai de l'anti-cave. Je l'avais dit, hein, ils me servent de tampon, donc pour l'instant... on va un peu les aider, histoire qu'ils se fassent une petite armée. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils étaient partis en mode dans la pampa. Les gars, ils étaient des 3, dont 2 généraux. Clairement, ils sont allés voir ce qui se passait. Ils sont allés faire leur petite balade. Alors, les archers... non, vous, c'est derrière. Hop. Les Yari, ils servent à protéger les flancs, toujours. Eux, je pense qu'ils vont intercepter la cave. Et après, ils iront défoncer ce qui se passe derrière, sûrement les généraux. Hop. Je les écarte pour que déjà ils prennent moins de flèches et qu'ils puissent laisser passer les soldats beaucoup plus facilement en fait. Je crois que ça peut aider. Et eux qui avancent. Alors la cave elle va clairement de ce côté là. Après il voit pas ce qu'il y a là. Oh non, attends. Par contre, moi je fais nappe. Non, sérieux. Il me voit pas. Vous, mettez-vous là. Ils vont peut-être charger mon général. Flèche de feu. Clairement. Faut y aller. Hop. Non, mais non. Oh putain, mes généraux. Notre général court un grave danger, monseigneur. Oh là là, mon général. Placez-vous là. Hop. Vous avez bien pris les... Voilà, vous les avez pris.
Ici, ça va mal. Voilà, vous allez les aider. Là, pour me charger ceux-là, là, les derniers cavaliers Yari. Et maintenant, on finit les archers samouraïs. C'est gagné. C'est complètement gagné. On va finir ça, les archers samouraïs, on n'en veut pas. Non, bah vous, c'est terminé. Non, par contre, oui. Bon. Alors, on va aller finir le travail. Ça, on en veut, on s'en fout. Ça, Ashigaru, Ashigaru, y'a rien, on s'en fout. Archer, Ashigaru. Ouais, les archers. Passez-moi la tranche des archers. Ah oui, parfait, 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 parfait. Vous pouvez courir plus vite. Hop, en x3. Ah, ils sont déter, hein. Non, il les aura trop. C'est terminé. C'est quoi ça? J'ai vu des armées se balader en mode... Non, toujours pas de traité de paix. Très bien. Allié attaqué. Sérieux? Non mais je peux pas rentrer contre... Ah putain. Mais c'est qui Asai? Du coup je suis en guerre contre le shogunat là. Ah mais non, c'est eux. Attends, Asai c'est eux. Ouais d'accord, c'était un bug, putain j'ai bien fait hein. Eux c'est des méchants. Bon bah maintenant allez, c'est plus si enclavé que ça. Par contre, toi, je pense que ton armée, elle est pas terrible. Ça, c'est pas à moi. Si je les attaque, c'est ok. Ah ouais, mais ils ont rien perdu en fait dans leur cave. Ah oui, non, c'est la nouvelle cave. Là, ça m'arrange pas. C'est une samouraï katana, donc là, c'est pas la même... Bon.
En fait, oui, c'est ça, c'est les batailles nocturnes. Il faut que je débloque les batailles nocturnes, c'est l'équivalent des... C'est l'équivalent des attaques éclairs. C'est ça, je me disais, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'attaque éclair dans le jeu. C'est ça. C'est en cas de deux armées qui... Par contre, on a une belle colline, là. Comme c'est eux qui vont sûrement venir nous chercher. On va profiter de la colline. La pluie, certainement pas. Le brouillard, encore moins. Eh ben, allez. La tchatch, la tchatch, la tchatch. Les Nagitana qui ont pris méga cher. Ouais, mon armée, elle est plus très fraîche, là. Voilà, clairement, on est... Ah non, t'es sérieux, ils vont aller se réfugier là-dessus. Hein. C'est moi qui devais devoir aller les chercher. Oh là là, j'ai déjà envie d'arrêter la partie. Rien pour me mettre de l'autre côté là, pour gagner 5 minutes. Bon, mais bah allez. En x3, on regarde surtout pas. Et... On va aller se faire un thé, hein. Ah non, c'est eux qui viennent, ça y est maintenant. Bon bah du coup on va les attendre. Hein. Oh non, revenez par là. Hop, on va mettre en vitesse normale le temps que je fasse de la... les formations. Tant pis, ils vont prendre les flèches, hein, mais... Mais je peux pas... La partie d'avant, ça s'est vu, ils ont pas eu le temps de tirer les archers. Vous allez vous mettre là, et vous, ici, en défense. Enfin, en... derrière les défenses. Et maintenant que les formations sont faites, on va mettre en x4, histoire que... Le jeu avance. Alors, mais si même ça, ça fait laguer là. Alors, l'OST est excellente, je trouve. Bah... Voilà, on est mieux là quand même. On voit un peu mieux. Je viens de voir qu'il y avait pas mal d'ombre à cause du soleil. Alors, tant qu'on voit pas les petits triangles qui sont la cavalerie se détacher, il n'y aura aucun souci. Par contre, je sais pas si ma formation elle est juste là. Elle devrait être plus comme ça. Et comme ça. Et là, on fait pas du tout face à l'ennemi là. Ah, ils ont mis les archers en haut. Oula, reculez un peu. Ça c'est quoi ça? Bah oui, vous êtes con ou quoi? C'est les généraux ça? Bah allez-y. Éclatez-vous les gars. Et bah voilà. Samouraï Katana. Leur général a été tué. Ils ne s'en remettront pas. Bah bien sûr qu'il a été tué, votre général.
pas ce que vous avez foutu là. Passer derrière et vous allez m'enfoncer les belles lignes. Ah non mais attends, il y a encore plein de cavaliers Yari là. Non 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 non. Oh ça va, les cavaliers s'enfoncent comme des dingues. Et pendant ce temps-là, moi je vais aller chercher avec ma cave je vais aller chercher les archers là. Hop, courez tout ce que vous pouvez, courez tout ce que vous pouvez, courez ce que vous pouvez. Voilà, faites-les courir un peu. Courez, 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 courez. Ils sont fatigués, ils sont fatigués, ils sont fatigués. Si on arrive à tuer leur général, paf, 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 paf. Hop. Le front est brisé. Chopez-les, ces enfoirés de cavaliers là. Allez où ma cave? Allez là. Chargez-moi là-dedans là. L'esquive du diable et on y arrive. Après cette défaite là ils vont pas être bien. Ah, par contre ça c'est pas mon délire. On va aller faire se rapatrier vers moi. Je veux que vous me détruisez ces unités là. Moi aussi je suis plus bien là. C'est gagné? Non, il y a le général qui a pas laissé tomber. Mes chevaux, ils sont où? C'est quoi l'unité là qui reste? Là. Les archers. Non, voilà, clairement ils sont pas chauds. Boum, choper le général là qui court comme un dingo là. Mais. Voilà. Vous faites un beau mur de bouclier. Un beau mur. Non, c'est bon, le moral flanche. Le général a été tué. Les archers, les archers, les archers. Non, notre général court un grave danger, monseigneur. Non, mon général ne court pas un grave danger. Et eux alors? Non, eux par contre ils sont beaucoup, donc on va envoyer, on va y aller à plusieurs. Par contre, un général pourrait m'envoyer la tout le monde hein. En marchant. Ah non, attends.
C'est les mauvais. Allez. Hop, hop. Boum. Normal, le moral flanche tout de suite. Hein. Et c'est gagné. Bon, j'espère qu'ils auront compris que... Faut pas venir... Faut pas m'emmerder, mais... Faut venir. Alors maintenant, on va aller s'occuper de celui, là, le petit rond bleu, là. Ah, il est pas mort. Faut qu'on aille définir. Hein. Faut qu'on aille les finir, sinon ils vont attaquer la province de notre allié. Là, ils ont assez pour les détruire. Après, là, comme ils ont fui, on n'aura même pas besoin d'aller leur courser, les courser. Les rattraper et finir les fuyards. Ouais, donc on disait, hein, c'est sûr, le cheval, il a pas l'air très frais. Et il est 10h et ça fait une heure qu'on est en stream. Presque. 1h et 52 secondes. Non. Eh ben ça sera la pluie, dommage. Là j'ai la puissance des archers qui n'ont pas du tout été touchés, donc on va s'en servir largement sur cette bataille pour éviter de ne pas trop utiliser l'infanterie, qu'elle se refasse le plus vite possible. N'en parlons même pas de la cave, les généraux vont pouvoir faire quand même un peu leur office. C'est eux qui chargent, c'est eux qui chargent, et bah c'est parfait. Hop, écartez-vous. Bravo, vous êtes pas bien. C'est quoi? Donc au début il y a les archers. C'est les samouraïs katana qu'il faut supprimer hein, après ça. Ouais. Regardez, j'existe. Regardez comment j'existe. Courez, 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 courez. Un grave danger, monseigneur. Allez là, lumière. Qu'est-ce qu'ils foutent? Vous êtes en train de les crever comme jamais et...
Alors, orientation vers les nouveaux ennemis. Ils n'ont pas d'archer. Donc ils vont devoir charger comme des dingues. Oh là là, mec. Ils auront vraiment perdu toutes les unités sur un contournement parce qu'ils veulent pas bouger, quoi. Ouais, ça fait pas du bien. Hop. On a quoi ici? Des cavaliers et des samouraïs. Bon. Bah, ils vont... Je pense pas qu'ils vont me poser grand problème. Le seul problème qu'ils vont... Moi, même pas. Ils sortiront de la... Ils vont disparaître là-dedans. Et en plus, ils courent. Donc, ils vont être crevés. Non, non, j'aimerais pas être à leur place, là. En plus, ils rentrent bien là où il faut. C'est-à-dire à la portée de tout le monde. C'est moi qui charge. Stop. Voilà, le moral va finir. Surtout que je crois que j'inspire encore la peur. Hein. Ça veut dire que rien leur faut pour craquer face. Alors je crois que c'est il n'y a que le général, enfin les généraux qui inspirent la peur. Je sais pas si toutes les unités inspirent la peur. Prochain tour, je retourne là-dedans. Ici, j'ai mon recrutement qui va se terminer. On va recruter encore un samouraï. Lui, il a combien de provinces? Il en a deux. Donc, ça va être Yamato et Ise. Qui a un temple bouddhiste. Donc, ça, c'est parfait. On va pouvoir... c'est la même chose que ça? Est-ce que c'est une école? Non, 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 ça c'est... voilà, c'est une école. Un petit parchemin. Comme on peut en trouver... peut-être qu'il n'y en a qu'une, hein, tellement c'est fort, plus 20%. Là on a de la picole. Ça c'est de l'or. Du fer. Une forge. Et ça, je sais. Ah, ça, c'est de la pierre. Eh ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule école. Hein. Un parchemin. Ah, là, il y a une école. Ok. Les petits bateaux, ils vont pas vouloir se battre. Ah, si. Qu'est-ce qu'on remplace? Alors, rien, hein. Je pense que ma compo elle est bien comme elle est. Abordé. Et on va aller au port pour se réparer. Ah, il y a lui qui m'embête. C'est peut-être lui qui me met dans la sauce. Il attaque le port de mon allié et qui... Mais oui... Ah, j'ai que ça en garnison. Hein. J'ai aucun archer en garnison. S'il veut me prendre ça, il n'y a pas de problème. Hein.
Je veux bien que tu te fasses une petite armée quand même, histoire que tu puisses te défendre. Embuscade. Ah bah voilà. Alors on va sauvegarder. Là par contre tu veux bien m'aider hein, le mec. C'est bon. Zéro perte. Alors franchement si je gagne un petit niveau de général. Nickel. Excellent bretteur au moral de fer, ces guerriers représentent le corps et l'âme d'une armée. Le corps et l'âme. Metsuke augmente de rang, parfait. Alors le général qui augmente de rang, et là on va pouvoir aller chercher des trucs bien... Bien. Alors, plus 1 au moral pour les unités d'Ashigaru. Ouais, mais Ashigaru c'est pas ça. Non, 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 on veut pas. Le toit t'as l'air d'être parti pour... Pour pas être Ashigaru. Par contre... C'est où les batailles nocturnes? Alors, cherchons ça... Non... Oh, c'est quoi ça? Moins 15 de coups de... Oh, bah oui, ça c'est bien ça. Bah, elles sont où les batailles nocturnes? Peut-être que c'est dans le... Dans les talents... Enfin, les... La recherche de clan. Ça me paraît bizarre. Non. Non. Ah, active les batailles nocturnes. Ah oui, il faut 3 points là-dedans. Bah allez. Toi. Plus 1 moral ou plus 1 de loyauté. Plus 1 de loyauté. Allez. Ça, c'est la base. Et tu vas bientôt nous abandonner pour aller prendre ton envol tout seul, comme un petit général. Toi. Tu m'énerves. Alors, ensuite, ici on peut rien construire, ici on peut rien construire, à part ça, mais on veut pas parce qu'on veut, on veut que les arts soient plus forts, plus rapides. D'ailleurs on en est où des arts? 5 tours. Et c'est jusque quand qu'on doit aller? 75. Faut qu'on se magne. On a combien de provinces? 25. Et on en a... On en a... 10. Donc il nous en manque 15. Donc il va falloir rusher un peu. On va créer une deuxième armée. Avec une armée c'est pas assez. Là la deuxième armée. Et la deuxième armée elle va s'occuper de ce coin là. Là déjà. Ah bah l'armée est partie. Elle est partie où? On sait pas. On va se regarder cette petite cinématique. Et on ira chercher l'armée après. Il a du bol, hein. On voit en fait, j'ai l'impression que à chaque scénette, il y a un pari. En fonction du pourcentage. Cible assassinée, parfait. Toi, ton armée. Ok. Qu'est-ce que tu nous prépares? Non. Qu'est-ce que tu nous prépares par là? Rien. Si, il y a une petite armée qui traîne là. Qu'est-ce que tu peux construire ici? On va casser le dojo.
Échec du sabotage. C'est pas grave, hein, c'est vraiment... ça va pas changer grand-chose. Ah, j'ai deux Mitsuki ici. Ah oui, il repop là, du coup. Alors, on va faire... C'est quoi qui coûte le moins cher? 50. Voilà. Kobaya d'archer. Ici, on est peinard. Et lui, il va faire le pont entre les deux. Ça va être mon navire de transport. ...1200, c'est pas intéressant. Ce qu'il nous faut, c'est augmenter la taille des vides. Surtout Setsu qui va être... le front de la défense ici. Ça va être Setsu et Tamba. Eh non! Oh là là, le nombre de bateaux. Traité de paix, c'est mort. Trop de braves hommes ont péri. L'heure est venue de mettre un terme aux hostilités. Traité de paix, toi, si tu deviens mon vassal. C'est tout ce que j'offre. C'est une bonne et honnête proposition. Non. Non, non, parce que toi, c'est... Je vais te conquérir, en fait. Tentative de capture, oui. Prospérité étrangère, plus 25 provenant des comptoirs commerciaux, plus 50% de grue. Non. Non, bah ça alors. Tu répares pas ton port? J'aimerais bien que tu répares ton port, toi. Clairement, toi, t'as une armée là qui traîne. Hein, on la voit pas là, mais. Mais elle est là. Il est où, mon autre ninja? J'ai deux ninjas ici qui traînent. Là, j'ai mon max ninja. Ah, il est là. Et j'ai le petit ninja. J'aimerais bien savoir ce qui se trame par là. Ah, il est dans la forêt, sérieux là. Toi, tu peux aller jusque là? Ah, parfait. Qu'est-ce qui s'y passe? Ah, j'ai capturé Yamato, hein, je crois. Il y a un marché. Une auberge de pèlerin, ouais, non, c'est bien. Hein. Hop. Tant pis pour eux, hein, ils se débrouilleront. J'aimerais bien que tu fasses la paix avec mon... Je vais demander la paix. Je n'ai pas envie de vous entendre. Non, ça m'arrange pas parce que c'est toi que je veux attaquer après. On a sur un peu de blé, hein. Je pense que c'est ça qui nous manque. C'est dommage que l'autre il répare pas son port parce que il pourra nous faire un gros boost d'income. Ah! Eh ben j'ai bien fait. C'était un beau pari que j'ai fait. Oh là là. Il m'embête. Allô papa, il m'embête. Ah, une autre armée. Blocus du port. Eh oui. Et là, forcément, quoi qu'il arrive, il m'embête. Bon, de toute façon, il apparaît pas arrivé. Ici, il y a beaucoup de choses. Non, il n'y a rien. On se la fera. Je suis pas en guerre contre vous. Ah mais si, je suis en guerre. Ah, c'est des pirates. Bah allez. Je vais pas vous voir chez moi. Alors, c'est quoi cette armée? Ah, ça va. Ils vont se défendre. Ah oui, largement.
Et ici, il se passe quoi? Il n'y a rien. Ah, par contre, ici, ça me plaît pas parce qu'il y a clairement un chemin. Je pensais pas qu'il y aurait un chemin. Oui, c'était évident. Il n'y a personne. On répare. Je pense qu'ici, on peut faire ça. Parfait. Ouh, ça change pas grand chose, hein. Ah si, quand même, 300. Tout le monde paye? Tout le monde paye. Toi, je t'aime pas du tout, mais de toute façon, tu vas disparaître au prochain tour, je pense. Saboter l'armée, 68% de chance, oui. Si tu peux traîner, voilà, parfait. Alors, 7% à portée. Ouais, c'est ça. Tu vas pas rentrer dans une armée. Saboter les armées. Ça me va très bien. Quoi? Ah, ils construisent un dojo. Bah, tant pis. Hein. Toi, tu vas juste me servir d'explorateur. Bah ça va être toi après qui va monter. On va construire un camp d'archi ici. Ou des incendiaires, je sais pas. Peut-être que les archis, on va les recruter au camp de base. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui. Bah tiens, meurs. Non, toujours pas. Eh bah oui. Eh oui, vous vous faites chasser. Ah merde, il va tenter un truc. Ça m'aurait étonné aussi. Oui, bah vous en m'étonnez même pas. Ils se font clairement chasser. Leur armée a été sabotée, ils n'ont pas pu fuir. Tentative de capture, ça ne marche pas. Et mon armée, elle vient capturer le dernier truc. Évidemment. Occupation pacifique. Voilà. Sur ça. Sur ça, on reste sur nos positions maintenant et on va se renforcer comme la dernière fois. Toi, on est en paix. Toi, tu m'énerves. Et c'est juste... Et franchement, je suis gentil. Voilà, tu te tires. Toi, tu me saoules. Je menais la bataille pour pas perdre d'armée. Pas perdre de bateau. Hop, un peu de poussière. Je crois que c'est à cause de ça. Voilà. Eh ben oui, c'est à cause de ça qu'on voit pas très bien. On veut pas de pluie, on veut pas de pluie, on veut pas de pluie, ça va très bien. J'aurais pris n'importe quoi qui n'est pas de la pluie et de la neige. Je crois que la neige, on peut quand même tirer des flèches enflammées. Allez, voilà, c'est ça, ils sont pas beaucoup, hein, là. Alors, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Ah oui, c'est vrai. Bah, on peut pas faire des groupes de 1 dans celui-là. Bah, il va aller dans le groupe 1. Ils attaquent? Non. Alors comme d'hab, hein,
2, vous vous mettez là. Et 3 et 1, je veux dire, vous vous mettez là. Ils ont plus beaucoup d'archers, hein. 7 archers. Ils vont plus être aussi efficaces qu'ils l'étaient avant. Même eux, ils ont plus d'archers en fait. Merde, il attaque. Hop. Un. Là, de vous à vous. Feu. Si vous arrivez à mettre le feu à ça, là, c'est parfait. Ils ont mis le feu. Ils vont pas kiffer là. Non, il n'intervient pas. Hop. Ça fait du mal au moral. En fait. Quand le moral flanche. Ah, ouais, ça prend leur morale, leur défense en mêlée. Notre général est menacé, monseigneur. Ah, c'est nous mon général. Nous ne pouvons pas nous permettre de le perdre. Attends, ils agressent, là. Ils agressent. Occupez-vous de ça. Bah oui, bien sûr que c'est nous qui gagnons. Ouais, ils ont laissé tomber. Hop. Pourquoi t'attaques pas toi? Alors, petit navire, viens ici. Hop, ton moral, il baisse. On va lui mettre. Pardon, toi plutôt, il va te mettre là. Bien sûr. Et voilà, c'est réalisé sans perte de navire. Peut-être en ayant capturé un, vu qu'il était en abordage. Et si on le capture, c'est bon plan parce que ça va permettre d'avoir un très bon navire d'abordage. Et moi, je serai mon sauveur. Ah oui, tiens, pourquoi on a perdu la cobaye à l'archer, va savoir. Mais bon, ouais. Ah, par contre, j'aurais préféré que tu meurs. Ouais. Si je fais ça. Voilà, victoire décisive. Merci. Et tu peux disparaître. Bah, la cobaye à l'archer, bah voilà. Ça tombe bien. Enfin, ça tombe bien. Par contre, j'ai pas assez d'argent pour tout réparer. Je veux réparer ça. Et ça. Et si je peux réparer ça aussi, bah écoute. Je peux réparer lui. Non. Ok. Par contre, toi, clairement, on va arrêter le commerce. Tu me sers à rien. Que vos mots. Tu me rapportes pas d'argent. Un ami et tout. Voilà. Non mais. C'est trop de tours que j'aurais dû faire ça depuis plusieurs tours. Ah, j'ai pas fait gaffe par contre.
Je crois que j'ai pas réparé le château. Et salut le pacificateur, ça va? J'ai pas réparé le château et j'ai pas regardé si j'avais où est-ce qu'on était l'ordre public de la province que j'ai capturée. Ça va très bien, écoute. Hier, on a fait un petit stream chill sur Anno 2070. Je sais pas si tu connais. Je ne sais pas si tu connais, on va parler avec les pauvres Raimo. Et là, bah écoute, on reprend. On reprend la campagne. C'était de 20h30 à 23h30. Alors, il y a la VOD sur Twitch normalement, et au pire, si t'as pas le temps et qu'elle disparaît de Twitch, elle sera sur mon YouTube. Agitation grandissante. Oui, voilà, c'est ce que je disais, j'ai pas. Ah ouais. Après, moi en ce moment, comme je disais, je sais pas si. Ouais, si t'étais là quand je te disais. Oui, c'était toi qui m'avais demandé pour l'arrière-plan. Je t'avais dit, je stream dans la chambre, donc ma femme elle travaille le matin et du coup je veux pas au-delà de 23h30 parce que même si je lui coupe la lumière, bon bah je parle et dormir avec des bouchons d'oreille c'est chiant, donc voilà pour l'instant. Quand on aura un appart avec une pièce dédiée au stream, là par contre je pourrais faire plus déjà pour le week-end. Et et si je croise les doigts, j'arrive à passer soit à mi-temps, soit à faire que le stream soit un métier à part entière, ouais, là j'aurai des horaires plus cool pour le stream. Route commerciale attaquée, encore, j'en ai marre. Ça c'est réparé, ils m'emmerdent avec leur bateau. Voilà, c'est la vérité. Il m'emmerde grave. Là, qu'est-ce que j'ai gagné? Ouais, une dune contre une dune, ok. Alors. Non. C'est des vrais navires de commerce, ça? Je peux pas réparer pour l'instant. Et si j'envoie plus de navires de commerce, là par exemple, tu vois, j'ai chopé les sultanats. Si j'en envoie plus, ça me rapporte plus d'argent ou aucun intérêt? Ah, c'est une bune Wako. C'est vraiment défini comme une bune Wako. Merde. Attends, elle est où? Bune moyen. Bune moyen Wako. Ah oui, putain, elle coûte 100 de plus. Ouais, ouais, merde. Ouais, bah dégage. Hein. Je vais construire juste une bune ici. D'ailleurs, faudrait que je me fasse... Normalement, je devais... Mais on va faire ça. Hein. Ah oui, il y a le port de Nanban pour faire des fusils. Mais bon, on va partir sur un port militaire. Ah non, 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 ça sert à rien. De toute façon, je les éclate, j'ai pas besoin de ça. Donc, ici, on est triste. On n'est pas content. Et maintenant, on est content. Et bah, c'est parfait. 20 navires par comptoir de commerce. À chaque bateau, t'augmentes tes revenus. Ah oui, d'accord. J'ai qu'un navire de commerce. Donc, comme toi t'as suivi, qu'est-ce qui a échangé la dernière fois? On est arrivé, on avait conquis juste cette bande de terre. Depuis, on a pris Omi, on en a fait un vassal, histoire qu'il serve un peu de tampon. Dans la foulée, il y a ce petit malin là qui était ici, qui m'a déclaré la guerre. Donc on a terminé le tour d'avant. Juste avant que tu arrives, on l'a terminé. On va recruter une deuxième armée. On va recruter une deuxième armée pour finir donc cette petite bande de terre. Là, il y a Tamba Tajima qui appartiennent à notre rival.
qui tous les tours essaye de nous faire un traité de paix, mais ça sert à rien. Et dès qu'on... enfin, je sais pas si on ira plus loin que Tamba, mais en tout cas, on va capturer Tamba. Et ensuite, on va s'occuper de Kyoto. Et à partir de là, je pense que... De 2019, ah ouais, la vache. Et après, bah écoute, je sais pas si lui va me redéclarer la guerre, au besoin, bah, il sera capturé. Là, je suis à 12 sur 25. Donc ça avance, c'est pour ça que je vais faire une deuxième armée, c'est pour pouvoir aller être en attaque pendant que il y aura une troupe ici qui te défend. Mon général a pas mal augmenté de rang. Lui, il va quitter l'armée bientôt. D'ailleurs, c'est quoi ? Ça, c'est 15, 13, 6, 15, 13, 15. Ah oui. Mais 3 défenses en mêlée, ça m'arrange pas. Bonus de charge, 30. Armure 2, ouais, non, on préfère avoir des samouraïs. Ah ! Ah, c'est cool alors. Alors. Toi, tu vas me dire ce qui se passe par là. Je sais qu'ici, c'est pas mes alliés. Ouais, voilà. Ah, ils sont pas bien là. Ouais. Eux, ils vont m'embêter, hein. Clairement, Atano, il m'aime pas. Par contre, je leur ai mis un sacré coup. Sachant que du coup, comme ils ont perdu beaucoup d'armées face à moi, les Takeda, que tu aimes tant, ont pris davantage. Et je pense que je vais pas aller plus loin vers le nord en attendant. Parce qu'ils vont me servir de tampon aussi. Est-ce que une bien meilleure endurance, plus rapide et récupère plus vite, très vite l'endurance? Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal. En fait, ça peut être... Oh, je sais pas. Par exemple, ça a permis l'utilisation du carré de pique, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que les... Il n'y a que les Ashigaru Yari qui peuvent utiliser ça. J'ai pas vu la carré de pique sur mes samouraï Nigatana. Bon. C'est pas ce que je voulais faire, ça fait deux fois. C'est la faction de cavalerie de la campagne. Ah ouais, ouais, ouais. Alors moi je suis pas très cave de toute façon, je trouve ça assez fragile. Merde. Bon bah notre vassal vient de tomber. Oui bah... Vas-y, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bien, tu m'as pris mes bateaux de pêche. Ah bah voilà, du coup il l'emmerde à fond. Route commerciale attaquée. Oui. Partout, 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 partout. Il m'énerve. J'ai encore perdu une lune. Alors. Tout ça, ça dégage. J'en veux pas. Ça, c'est un navire de commerce. Je n'en veux pas. Ici, je veux une autre lune. Et réparer. Voilà. Ici. Ouais, mais ils venaient. Tu sais, je pouvais pas. Je voulais les. Ils avaient pas de. Comment. Je venais de les capturer, du coup, ils avaient pas de. De comment. Ah, je vais pas y arriver. Ils avaient plus de mobilité en fait.
Alors, c'est la faction de la cavalerie. Dans ma dernière game, les revenus ne baissent pas. Comment ça? Ah, attends, je vais, on va lire dans l'ordre. C'est la faction de la cavalerie. Dans ma dernière game, sur cette campagne, j'avais pris Shimazu en très difficile. Alors, Shimazu, hop hop hop, est-ce que je les vois? Non. 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 Ah oui, oui, non, mais c'est pas... Ah oui, c'est parce que j'ai demandé pour les réparer. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui. Shimazu égale Satsuma. Ok, d'accord. Oui, eux, là. Ah bah, d'ailleurs, eux qui sont en train de bolos notre ami Shoni. Ah non, attends. Ah non, c'est eux. Ah non, non, c'est pas eux. D'accord. Christianiste, d'ailleurs. Un christianisme. Ouais, là, parce que j'ai qu'un seul navire de commerce. Mais je vais en mettre des... je vais en créer des navires de commerce. D'ailleurs, je vais en créer là. Non, attends. D'abord, on va faire des bâtiments. Ouais. Ouais, les Shimazu, ils ont disparu de l'histoire, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Combien de tours? Ouais, c'est plus rapide par là. Hein. Allez, hein. Y a une grosse armée ici? Non. Coucou. Alors ici, il y a une armée qui traîne. Ce qui est dommage, c'est que ils étaient en guerre, là, les carrés noirs avec eux. Puis, quand je suis arrivé, ils ont décidé que c'était fini. Recrutement, on va mettre ça. Ouais, mais c'est ce que je vais faire là. Je vais faire une armée beaucoup plus cool. Alors, retraite tactique. Ah oui, et du coup, c'est quoi ça? Alors, est-ce que c'est rentable ça? Pour 2000? Non, hein. Mais du coup, il m'attaque là. Payer un tribut. T'en penses quoi, le pacificateur? Ouais, je pense, hein. Je m'en tape des impériaux. Ah non, bah d'accord, il a fait une belle armée. Et du coup, moi, j'ai été repoussé. Omi, c'est devenu une... Mais c'est dégueulasse, ça, c'était mon vassal. Allez, mais ça, c'est dégueulasse, ça. Parlez en toute honnêteté et je prêterai une oreille attentive. Bah ouais, mais tu... Quoi? Petit bâtard. Bon, bah, très bien. Ça m'emmerde. Il va venir attaquer cette ville et j'aurais bien voulu la garder. On va gagner cet argent. Hein. C'est mort, hein, je te le laisse pas. On va mettre ça. Ah non, je suis un peu déçu là. Ouais, toi tu me rapportes pas assez d'argent pour avoir une révolte. Ici on va construire le bâtiment pour faire un marché.
qu'est-ce qu'ils peuvent... Qu'est-ce qu'ils peuvent être emmerdants, eux. Vraiment, hein. Ah oui, puis j'ai pas mon... Il faut un niveau 2 pour construire des navires de commerce. Toi, t'es niveau 2, je crois. Non. Qui est niveau 2? Quoi? Toi, tu peux me construire des navires de commerce. Bah, tu peux même construire tout, toi. Non, mais le Homie, c'est moi qui l'ai recréé, en fait. Et je me suis dit, je vais m'en servir comme tampon. Et il a fait son office, franchement. Je suis allé le défendre une fois, mais... Oh. Bon, au deuxième tour, la prochaine fois, je le prends. Il est pour moi. Oui. Oui, bon, de toute façon, je suis bientôt légendaire, donc ils vont tous me détester, quoi qu'il arrive. Lui, il a décidé de pas attaquer, c'est parfait. Il est où, mon petit ninja? Ah, c'est sérieux? Regardez, il a juste pas la portée. Ça fait une belle... Mais toi, par contre, t'as la portée. Allez. Ouais, je vais faire une armée de paysans, je pense. Je pense qu'on va se diriger vers ça. Ça va être une armée de paysans avec quelques katanas qui traînent, mais sinon dans l'ensemble ça va être une armée de paysans. Ah, c'est une armée de paysans. Bah elle avait un général, mais elle a plus de général. Par contre, tu vois, ça, je trouve ça hyper fort. Les assassins, parce que ça coûte rien et c'est vraiment, tu te dis, j'assassine à tour de bras, quoi. Alors, tu attaques ma route commerciale pour changer. Tu fuis pour changer. Ah, oh, en plus, il a fui, va savoir où. De toute façon, j'ai pas la portée. Ah, bah, ouais. Oh non. Pourquoi lui, il est pas... Ah oui, si, quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Ah, mais les mangonos sont passés. Qu'est-ce que tu m'as recherché depuis tout à l'heure? Bon bah on va laisser finir ça et après on va aller chercher d'autres choses là quand même. Là, la guilde des marchands, je pense que c'est ça là-dessus qu'il faut s'orienter ensuite. Qu'on fasse un peu plus d'argent. Tout est fort dans Shogun 2. Ouais. La grosse forteresse? Ah merde, c'est le truc, je crois que je... je crois que c'est le truc que je voulais faire. Enfin, le truc que je voulais faire, j'étais pressé d'avoir, donc merde. Putain, eux, ils sont en train de se faire laver, et quand ils vont me déclarer la guerre, je vais pas être fier. Non, non, je sais que je l'ai pas. Ah, c'est quand tu deviens... Ah oui, d'accord, je croyais que c'était pas ce que j'ai vu. Putain, je vais te montrer. Blocus du port, ouais, ça j'ai vu. Route commerciale attaquée pour changer. Alors... C'était ça, là. Ouais, voilà. Le Shionzen. Ou la Buna Canon. C'était ça, je pensais, dont tu parlais. Alors. Oh la vache, l'attrition de malade! J'ai plus de place? Ah oui, navire. Non, j'ai plus de place. Est-ce qu'il est pas temps d'avoir une deuxième flotte? Non. Ah là là, oui. Pourquoi j'ai une bune en plus là? J'ai trop de bunes.
Hop. Coup de réparation, on y va. Vous, vous passez par là. Ah ouais, les flottes à 20 navires, putain la vache. Alors, mes petits soldats, ils savent pas trop quoi faire. Qu'est-ce qu'on a là? Armée. Je pense qu'il va essayer de me prendre une de mes villes. Je sais pas s'il est en guerre encore contre Omi. On va se placer ici, bien au centre. Recrutement. On n'a plus assez d'argent. Ah oui, bah oui. Évidemment, ouais, ça a été modé, mais pas entièrement, quoi. Du coup, nous on a dit qu'on voulait une guilde de marchands. Ah, qu'est-ce que tu fais, toi? Parce que je sens que je vais bientôt devenir l'ennemi de tout le monde, et là il ramène ses troupes en bateau. Ah oui, genre la bêta test peut-être. Ça doit être pour ça que l'IA se conforte différemment. Ah oui, peut-être. Ah bah oui, bah du coup si c'est pas une version officielle, c'est sûrement ça. Ah d'accord. Non, toi... Attends, le mec, il est en train de se faire des armées de généraux. Hop. Bah écoute, on va aller chercher cette ville. Hein. Pas tout de suite, apparemment, on est trop loin. Hop, j'aimerais bien savoir ce qui se passe autour de moi, du coup. Ah, elle est là, l'armée. Elle a pas bougé, en fait. Hop, saboter l'armée. C'est parfait. Du coup... Là... On va pouvoir faire ça. Ouais, Reforge, ouais. Ah oui, tu veux la version hackée de Reforge, elle marche mieux que... Ouais, ça c'est le problème, c'est bah, surtout pour les vieux jeux. Après, bon, tu me diras, Reforge, c'est pas un vieux jeu, mais clairement, apparemment, ils ont pas l'air d'avoir mis... les moyens. Ils avaient clairement pas envie de se faire chier avec le jeu. Hop, et vous, toi, tu viens ici. Dis-toi, je l'ai acheté comme un nul, je l'ai désinstallé la veille version hacker. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que ça fout les boules. C'est comme... alors c'est... Dans le même esprit, si tu veux. Moi j'ai acheté des Blu-ray. Avant j'avais une version qui marchait et je me suis pris une version pour 30€ qui ne marchait même pas. Bien, putain. C'est... comment ça s'appelait ouais, j'avais acheté des Blu-ray, ouais, je disais. Des Blu-ray. Et la dernière fois, j'ai voulu regarder le Blu-ray de OSS 117. Et rien. Il n'y a pas de CD. Ça n'existe. Il n'y a pas de... mon lecteur, il disait, il n'y a pas de DVD. Enfin, il n'y a pas de Blu-ray. Et de quoi tu le connais, le OSS ?
Ah, je crois qu'on... Attends, je crois qu'on se... On se comprend pas. Je disais, j'ai voulu... Ouais, le film, ouais. Et j'ai voulu mettre le film, et le DVD, il le connaissait pas. Enfin, il le connaissait pas, il reconnaissait pas le Blu-ray. Il disait qu'il n'y avait pas de Blu-ray. Je vais chercher 5 minutes, 5 minutes sur Internet, et je vois... ouais, en fait, ces Blu-ray-là, ils ont un défaut, et ils font une liste de films de tous les Blu-ray. Et c'est en fait c'est des Blu-ray qui ont été mal, ça a été fait, fini à la pisse. Et du coup en fait, ils faisaient un rappel, sauf que bien sûr le rappel ça datait de 2017, tu vois. Et si t'es pas au courant, c'est par exemple tu regardes ton film, tu regardes pas, enfin c'est ton film, tu le regardes une fois, tu le regardes pas le lendemain quoi. Enfin tu le regardes pas tous les ans forcément. Et du coup c'est trop tard. Du coup j'ai un Blu-ray qui est mort, et juste mort, et tu peux rien faire. Le truc est illisible. Et du coup c'est vrai que ça fout les boules, parce que les mecs te disent ouais l'industrie du cinéma elle va crever parce que vous téléchargez des films, parce que il y a des gars comme Netflix ou Amazon qui bradent sur internet les films, mais en même temps les gars vous nous vendez des trucs, au bout d'un an ça marche plus, c'est quoi? Il y a un problème à un moment, ça, tu te dis, bah ouais, j'ai plus envie d'aller. Alors moi, j'achèterai toujours le DVD parce que. Bon, j'aime bien avoir des fois le. J'aime bien l'avoir, tu vois. Mais franchement, des fois, ça fait chier, quoi. Et tu te dis. Enfin, je trouve pas légitime le fait qu'ils gueulent, alors que eux, même. Et je parle pas de tout ce qui est réalisateur et tout ça, je parle plus des distributeurs. Qui se foutent de la gueule quoi, du monde. C'est clairement, c'est pas normal que les pressages soient à la ramasse comme ça. Ouais, bah je l'ai aussi. J'ai non, c'est trop le bordel dans mon tiroir pour aller le montrer. Mais ouais, j'ai le premier et le deuxième coffret carton qui s'ouvre et tout. Comme j'ai pas acheté le troisième parce que ça m'avait ouais, la boîte bleue, ouais. Ouais, moi j'ai la boîte bleue et la boîte du coup la violette, c'est ça. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah ouais, tu l'avais acheté 50 balles. Ah ouais, non. Bah après, eux c'est particulier maintenant les jeux vidéo, c'est que t'achètes des boîtes juste pour avoir la boîte quoi. Ah ouais, parce que moi quand je l'ai acheté le CD, enfin le support physique du jeu. Vraiment, le CD, il servait à rien. Ils me disaient, voilà, c'est juste limite pour les gens qui s'y connaissent que dalle en informatique, c'est tu mets le CD et ça t'envoie vers le site internet. Et après, c'est tu télécharges, quoi. Alors, route maritime attaquée, oui, bon, on commence à s'y faire. Clairement, ils ont l'air de... Ah oui, bah en même temps, c'est normal qu'ils sont bloqués. Par contre, ça fait deux belles armées quand même, hein, ici. Hop. Guilde des marchands, plus 1000. Attendez, on n'était pas en train de construire un bâtiment, là, qui pouvait... Non, c'est bon. Parce que je vois que mon... Ah oui, je voulais construire une guilde des marchands ici, mais j'ai pas l'argent. Enfin, j'ai l'argent, mais j'ai plus les prévisions. Ah, par contre, c'est vrai que c'est rentable, hein, du coup, les guildes de marchands. C'est combien, ça? Plus 500, ah ouais. Ah oui, tu peux pas jouer sur en online. Ouais, c'est chiant ça. Ils ont quoi comme armée eux? Ouais, ils ont une belle armée hein. Alors, recrutement. Hop. C'est toujours pas fini. On va laisser un tour et après on va recruter Et après, on va monter ça à niveau 3. Ah non, on peut pas. Ah, c'est énervant. Putain, c'est dingue, il me manque 20, quoi.
Ah ouais, bah c'est en fait la ville que je viens de capturer, elle avait un. Quand vous considérez mon offre, qu'est-ce que tu veux, toi ? Ne lorgnez pas sur le bourgeon. Regardez leur demande. Entier. Entrer en guerre contre Iko Iki. C'est qui Iko Iki ? Ah oui, d'accord. Je te paye, je rentre en guerre et toi tu rentres. Ah d'accord, non. Oui, bah oui, c'est évident. Pour les toutes les mises à jour. Ah, merde, ils m'ont capturé. Et ils m'attaquent. Oh, ils m'attaquent. Ça, c'est trop bien, ça. Et bah, c'est ma première bataille de siège de Shogun. Ah, par contre, c'est... Oh, c'est pas si bien que ça. Je pensais pas que c'était un bastion. Un si petit bastion. Je comprends pourquoi ils m'attaquent maintenant. Je pensais à moi avoir deux étages histoire de pouvoir mettre mes archers samouraïs en hauteur. Oui, ça devrait bien se passer, bien sûr. Y a pas... C'est juste dommage, ça aurait pu être beaucoup plus facile. C'est juste qu'ils vont être un peu serrés dans cette petite boîte là. Clairement, cette partie là, je devrais la faire avec un petit Patrick Sébastien au fond. Attends, deux secondes. Tic, tac, touc. Alors. Oh bah tout est cassé, hein. Clairement, c'est... On a... on n'est pas rentré. On n'est pas rentré à la cool, hein. Ils étaient un dedans. Enfin, il y avait une unité dedans. On est rentré, on a tout bourraillé, quoi. Donc. On va faire des petits groupes comme ça, à gauche, à droite. Et tac. Ils arrivent en deux groupes. Alors, un de face. Et... Ah non, en trois groupes. Ah oui, parce qu'il y a l'autre groupe. Et l'autre, ils arrivent par là, hein, c'est ça. Un, deux, trois. Le dernier groupe de samouraïs, il va se mettre ici. En espérant qu'ils essayent de passer par les portes. Du coup, mes cavaliers, ils vont se mettre en retrait ici. Non, ici. Eux, avant qu'ils arrivent, de toute façon, même s'ils arrivent, ils vont être claqués de chez claqués. Donc, ici on a des archers samouraïs, des Ashigaru-yari. Par contre, vous, je vous ai dit, ils peuvent pas se mettre là parce qu'il y a eux qui cassent les couilles. Bon, mettez-vous là pour l'instant. Ici, comment ça se passe? Alors j'avais remarqué que les samouraïs en défense, ils font des tirs tendus qui sont vachement plus précis et mortels du coup. Hop, reculez. Vous mettez là. On va aller les empêcher de monter. Hein. Oui.
Les cavaliers. Oh là là, on est tellement serré ici, quoi. Ah, je peux vous mettre là. Non, allez-y. Non, mais non. Là, vous vous mettez là. Vous leur tirez dans le dos. Ici. Ici. Et... là. Zut, je l'avais pas vu. Hop, désolé. Je suis un peu concentré. Ouais, eux, ils sont crevés, donc ils vont se prendre là. Ils vont arriver là où ils vont être pas du tout aptes au combat. La cave, elle se prend la max. Et ils se font tirer dessus comme des lapins. Il y a encore des gars qui montent là ? Oh là là, des samouraïs. De partout, hein. C'est quoi ici? Bon. Ouais, la cave elle prend méga cher, on va aller on va se servir de la cave de manière plus offensive. Là, vous. Pourquoi vous voulez pas vous mettre... la cave elle est sortie. Nous nous sommes emparés de leur tour, monseigneur. Ouais, on peut dire ça comme ça. Le général, chopez-le. Alors... hop. C'est gagné ici, c'est gagné là. Mettez-vous là. En courant, s'il vous plaît. Bah qu'est-ce que vous foutez là vous? Bah alors? Bah regardez, ils viennent vous chercher. Mes unités qui ont décidé d'aller faire une petite sortie. Voir comment ça se passait. Mmh.
vous, vous. Enfin, des fois, la sélection, elle est pas parfaite. Hein. Boum. Bah, c'est gagné. Non, maintenant on va passer en x4 et on va faire un peu le ménage. Surtout dans les archers là, comme ça. Ça rame. Il aime pas du tout le x4, hein. C'est gagné. Alors, on n'a pas annihilé toute son armée, dommage. Ah, et puis en plus, il va se réfugier chez son copain là. Je vais même pas pouvoir aller le chercher. Il m'envoie toute sa flotte. Hein. Jugé, exécuté. Oh non! Il est niveau combien lui? 2. Sérieux? Il a fait un. Ah là là. Il est où l'autre ninja? Il est là. Je le vois pas. Ah oui, non, c'est celui qui a été tué. Et j'ai deux ninjas. Bon, on va le chercher comme ça. Et voilà, la vengeance. On ressort un ninja. On construit ça. Ici, on peut recruter maintenant des archers Shosokabe qui sont avec une précision améliorée. Vous, qu'est-ce qu'il reste dans votre armée? Pas grand-chose, pas grand-chose. Ouais, que de la petite série, quoi. Alors, maintenant on va faire le ménage ici. Oh la vache, mais quel enfer. C'est ça qui me fait péter un plomb, c'est que ils se barrent mais tellement loin les bateaux. Non mais, c'est une blague ou quoi? En fait, j'ai raté, ils sont tous... Ouais, on va se faire une... Un deuxième... Une flotte plus petite. Ah, ça me rend dingue. J'ai freeze et c'est pas fini. Ah! Ah là, ça vient de se finir, là. Non, t'es toujours sur la bataille encore, toi? Pendant que Omi passe de main en main. Ouais, bah venez m'attaquer, je vous attends les gars.
Ah, mais bah non, cette fois. Oh, quoique. Ah non, j'aurais pas. Il va se barrer. Salut! Hop. Ah non, toi, tu vas aller avec eux, lui. Et te faire réparer. Donc, 2500. Ça ne sert à rien, ça. Est-ce qu'on peut... Ouais, j'ai deux provinces qui sont pas imposées. On t'impose. 3400 et toi, on t'impose. Et bah voilà. J'avais frise. Non, tout à frise, je suis revenu au moment où... Ah, tu es toujours sur la bataille, toi. Ah oui, d'accord. Non, bah là... Ah ou ça, on n'en veut pas du tout, ça. Non, non, là, c'est... Ouais, mais de toute façon, même moi, le jeu, il n'était pas non plus très fluide, hein, tu me diras, donc... Là, on augmente nos cultures en terrasse. Tout en faisant monter... en recrutant, du coup, tout ce qu'il faut pour la deuxième armée. Prochain tour, on va pouvoir recruter des mangonos. On va faire un mangono, j'ai trop envie, je suis trop pressé de savoir ce que ça donne. Ici, on a une guilde des marchands. Donc ça, c'est une ville qui va nous rapporter énormément. Ah mais attends, mais c'est que des... dis-moi, le pacificateur en... Dans Shogun 2, c'est pas que des... Que des petits bastions comme ça à chaque fois. C'est 65 hein, qu'il faut... ouais, faut que je me manie, hein. Putain, je vais y arriver. Faut que je me manie. Je pense qu'on va déclarer la guerre à Kyoto tout de suite, puis on va voir comment ça va se passer. En fait, les campagnes de Shogun 2, elles se déroulent assez vite. Par rapport à la fin des samouraïs. Logis du port, on sait, on l'a vu. Et on va aller. Résoudre ce problème. Alors. Ça me coûte beaucoup d'argent. Hein. Alors, recrutement. C'est deux tours à Mangono. Portée 450. Ça a 4 canons. Ok. Bah écoute, on va voir. Ça coûte très cher. Oui, il y avait ce petit gars là. Il va servir à surveiller les villes là, pour l'instant. Non, pas celle-là. Peut-être plus celle-là, mais du coup, prochain tour. Ah merde. Bon, tant pis. L'agent. Voilà. Ici, je sais pas ce qu'on va construire. Sûrement une école de ninja là. Ah non, peut-être ça là. Un temple bouddhiste. Pour créer des moines sur le territoire. En fait, quand t'es au sud, t'es hyper bien pour protéger les petits navires. Route commerciale maritime attaquée. Ça y est, et là on va se faire du blé. Donc si j'ai bien compris, je peux augmenter mes marchés.
Ah non, oui. Ouais, non, c'est quand même deux. Oui, ça demande, c'est pas... ouais, non, j'avais pas compris ça comme ça. Faut d'abord que j'augmente ça. De toute façon, j'étais obligé de passer par là. Un petit marché. Recrutement. Hop. On améliore les formes un peu partout. On soit tranquille. Ici, je vois qu'il est en train de faire une petite armée bien sympathique. On va l'attaquer. Avant qu'il la... Avant qu'il la comment, renforce encore. Attention, on va éviter de balancer, de faire tomber le paravent. C'est des îles, ça? Marrant. Je sais pas ce que t'en penses toi des batailles navales de ce jeu là d'ailleurs. Qu'est-ce que... T'aimes beaucoup ? Ah ! Pas dire de gros mots alors. Alors là, nous allons envoyer des flèches en mousse sur les Japonais pour qu'ils tombent dans l'eau et qu'ils aillent à la piscine parce qu'ils sont très sales. Malheureusement, eux ne sont pas d'accord avec ça. Ça, c'est engin incendiaire. Ça, c'est 5 Gokubun, donc c'est les assiégeurs. Et encore des encore de l'incendiaire. Ok. Ça y est, ils sont pas contents. Oh oh oh. Hop, si vous pouvez y mettre le feu, ça serait parfait. On reste pas à portée. C'est bon. Vous, par contre, faut y aller à portée. Oh, toi, tu peux placer des mines. Oh, sans blague. Placer une mine, obligation d'être en dehors de la zone de déploiement. Oui, ça me va. Oh, je savais même pas, tu vois. Du coup, moi. Et ça doit être pour faire sortir la mine, je suppose. Oh, c'est fort. Hop. On va leur on va les attirer comme ça là. C'est
trop curieux de voir la mine. C'est quoi ça? Ah, elles sont là les mines. À quoi ça ressemble? Du cam. Je le sens pas. Tu veux pas faire un tour de l'autre côté? Bon, attendez, par contre il y est. Oh, la mine elle dérive là? Mais oui, elle dérive. Oh, attention la baleine! La baleine, est-ce qu'elle va se prendre la mine? Non. J'ai l'impression qu'elle se rapproche de plus en plus. Et toi, tu vas t'en aller du coup. Oh, je suis trop curieux là. Tu veux pas venir avec ton petit bateau là pour voir ce que ça fait? Et ça, c'est quoi alors? C'est fort ça, les mines, hein? Non? Je suppose que ça détruit un bateau en une fois. Toi, je te parle là. Contre le gros, les plus gros, ouais. Et l'IA, elle voit les mines ou elle les évite? Elle s'en fout, d'accord. C'est parfait. Hop. Et pop. Bon là, clairement, l'IA, elle s'en fout de tout. Hein. Il y a Total War, ouais. Ah, ça y est. Va-t'en. Oh, je suis déçu. Ça a fait sproch. Ça a fait prout. Ça a pas fait. Ah, la déception est des plus totales. Là, je m'attendais à avoir un gros boom, quoi. Un peu comme dans la fin des samouraïs où tu. Ou quand t'as les bateaux qui explosent, ça fait boum, il y a un gros bruit et tout, c'est limite ça fait flou, peu à peur quoi, mais là, ça fait je pousse. J'ai jeté un caillou dans l'eau quoi. Pareil. Hop. Ici, ça répare. Toi, tu es au bout de ta portée de déplacement. Ici, l'armée, elle est full. Elle est full. Est-ce que je vais prendre Tajima? En fait, j'ai deux trucs. Est-ce qu'on n'attaquerait pas Kyoto? Qui a une très belle ville en plus. Donc il y a moyen de se faire un max de consolidation des terres, relais de poste, bibliothèque. Ouais, je pense que ça va être ça. Hein.
Ouais. On attend la fin de l'hiver, là le Mangono va sortir. On va avoir deux généraux qui vont attaquer, on aura deux armées. Une solide et une de soutien. Et tout le monde va me déclarer la guerre, je crois, hein, si j'attaque contre le Shogun. Votre corps commercial maritime attaqué. Hommage au Shogun. Ah oui, on va lui faire un hommage, là, il va être ravi. Alors, ah, j'aurais préféré avoir d'autres archers quand même. Mais bon. Si je construis ça... Là, dans un tour, j'ai ça qui arrive. Non, c'est dans 4 tours. Il faut encore construire des fermes. On construit des fermes. Ici, c'est complet. Ici, c'est au full. C'est full. C'est full. C'est full. Ah, t'as 30 secondes de calme. Tu peux pas recruter, ouais. On va se ramener par là pour la prochaine étape. Par contre, mon income va s'effondrer. Ils peuvent pas me laisser 5 secondes de répit. Hein. Et ouais, on va attaquer la terre entière. Même le plus grand château fort ne pourrait résister contre ces boules de feu. À distance, ces projectiles sont d'une efficacité incroyable. Allez! Je pense que je suis pas entièrement prêt, mais bon, écoute. Hein. À un moment, faut y aller. Hein. Ah, bah ça sera pas ce tour-là, ça sera le tour d'après. Hop. Jamais. Oh, il a quoi? Une bulle lourde. Non. Non, j'ai... Oh, ça, je me suis gouré. Eh ben, je l'ai capturé. Mais pour moi. Alors, ouais, mais là, c'est mon marché qui va prendre un de plus. Est-ce qu'on construit des routes ici? Ouais, ça peut être intéressant. Oh, la vache, non. Ici, c'est le foutoir le plus complet. Kawasaki, c'est pas la ville qui va nous rapporter de l'argent, hein. Clairement. Ise, j'en ai un peu rien à faire.
Ouais, qui booste. Ah oui, mais c'est vrai, j'en ai pas encore 5. J'en ai 3, je crois. Il faut que je les... Ah mais non, j'en ai un qui attend toujours de pouvoir sortir de l'île. Oh la vache. Ah, il faut que je les fasse. J'aurais dû économiser le peu qui me restait. Non mais ils vont encore me... faire un blocus. Je trouve ça incroyablement chiant qu'ils puissent faire un blocus alors que t'as des troupes dans le port. Bah ouais, mais voilà. Il faut que les Mitsuki soient dans une ville pour booster les taxes. Ouais, ça je sais. Et c'est parce que par exemple celui-là, tu vois, il attend pour. En fait, il a été emprisonné, et il sort sur la capitale, donc sur l'île, donc ça me dit. C'est chiant quoi. Recrutement. Un Mitsuki ici. Bah toi, tu vas servir à rien, on va pas y aller. Mon agent. Saboter les portes du château. On croise les doigts à 40%. Est-ce que ça va passer? On va se regarder la petite cinématique parce que c'est quand même l'événement quoi. On s'attaque pas à n'importe quel Toto. On s'attaque au Shogun. Ah. Il a réussi, je crois. Bon. J'espère qu'il va réussir à s'enfuir. Ah mince, il est monté sur le mur. Échec du sabotage. Mon deuxième ninja. Where is it? ?50%, c'est pas ouf, mais bon. En espérant que ça passe. Bon, déjà, c'est pas la même cinématique. Ah, si. Bon, allez, voilà. Bon, bah, on va se la faire à l'ancienne, ça veut dire on attaque comme des malades. Bienvenue. Ah, mes alliés m'ont complètement suivi. Pardon ? Il y a deux armées. Oh, il y a deux armées. Continuer le siège. Oh, il y avait... Oh, il y avait une armée qui était planquée là. Moi aussi j'ai une deuxième armée. Elle est pas aussi performante. Alors, oh, par contre, attaque de nuit. Toi tu viens pas hein. Ah mais oui, je peux faire ça. Attaque de nuit. Je pense que c'est le mieux hein, l'attaque de nuit. Il a pas d'archer. Bon, par contre il a beaucoup de samouraï katana. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sauvegarde et on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas trop c'est quoi. Ah, par contre, j'ai vu, il avait des... Oui, je sais que j'ai continué. Oui, c'est un peu comme dans Warhammer. C'est l'attaque... éclair. Mais j'avais oublié que l'attaque... En fait, je pensais que l'attaque éclair n'existait plus. Mais j'avais oublié qu'en fait, l'attaque éclair dans ce jeu-là, c'est l'attaque de nuit. En plus, c'est joli, ça a l'air des beaux plans, l'attaque de nuit. Parce que la première fois, comme je jouais toujours en facile en fait dans Shogun 2, je comprenais pas à quoi servait l'attaque de nuit quoi. C'est... Pour moi c'était plus un désavantage, je me dis bah j'arrive avec deux armées, j'attaque de nuit. Je me retrouve avec une seule armée. Mais parce qu'en fait en mode facile, t'as rarement des affrontements contre deux armées. Enfin en mode normal quoi. Indy. Alors, bah sec. Moi je fais l'attaque de nuit quand l'ennemi a plus d'archers. Ah ouais, ça réduit la visibilité. Itewa, Yumiya o iru bae ni kokoro o mu ni suru. Jikkuri matte. ここぞという瞬間に矢を放つ。我らはまさに
Ah merde. Moi j'ai full archer du coup. C'est pas très malin. Je passe, hein, c'est toujours la même histoire. Alors, est-ce que vous, vous êtes pas, vous pouvez pas bouger, je suppose. Ouais, vous pouvez pas bouger. Ouais, le plus simple, c'est d'attaquer par là. Hein. C'est ça, ils sont fixes. Exactement. Alors, ça... Ah oui, je m'étais dit, faut que j'attende de les renforts, mais non, il n'y aura pas de renforts. Allez! Alors, voyons voir. C'est tout. Ah, c'est pas dingo en fait. C'est pas dingo. Je m'attendais à quelque chose de tellement mieux. Ah ouais, ça. Ouais, mais je pensais quand même un peu quoi, parce que là déjà il a utilisé bientôt un quart de ses munitions. Et ça fait pas de dégâts quoi, au moins ça pourrait toucher. Mais ça touche que dalle hein, c'est. Allez, au moins ça brûle. Vous perdez des dégâts. J'en ai rien à foutre, je marche dans le feu. Ah, ça a foutu. Non, ça a pas foutu le feu. Oh, je suis. C'est. Franchement, je suis très content d'avoir sacrifié une unité pour. Non, mais je voulais découvrir par moi-même. C'est. Moi, j'adore tout ce qui est engin de siège, mais. Mais là, quand même. C'est pour ça que j'en ai fait qu'un. Hein. Ah! Ouais! J'en ai tué 5! Pendant que lui, clairement, c'est le démon, hein. Regardez-le, là, il nous attend, là. Ah merde, bien sûr, évidemment. Ah oui, ouais, clairement. Ah, je l'ai eu, là. Go! Boum! Ça brûle, ça, on est d'accord, hein, là. Hein. Heureusement que... Par contre, quand ça touche les ennemis, ça fait mal. Ouais, ouais, ouais. Mais non, ça brûle pas! Mais putain, ça brûle pas! Non mais on va se la faire autrement. Oui, c'est pour ça que j'attends qu'il ait fini de bombarder. En même temps, le gars, clairement, il a pas... Enfin, il a picolé, hein, celui qui attaque. Hein. Voilà, on est content. Ah, on a tué... 10 quand même. On a mis le feu! Donc les samouraïs ils vont passer de l'autre côté et ça sert à rien qu'on s'agglutine. Allez, t'essayes de me la mettre un peu plus. De toucher histoire de foutre le feu à ça et ça sera royal. Ça brûle ou c'est... Non, ça brûle pas.
En tout cas, les petits effets pyrotechniques, c'est sympa, hein. Allez, tu l'as. Non. Allez, c'est vos derniers tirs, là, les gars. Ah, attends, je reviens en attendant qu'ils aient fini de tirer. Je vais juste faire sortir mon chien. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions, monseigneur. Petite pause, j'arrive dans 5 minutes. Je vais mettre en pause aussi. Alors, bon, évidemment. Ah bah c'est bien. On a foutu le feu. Pas là où on voulait. Bon, moi on a foutu le feu. Oh, clairement. Attends, il te reste quelques munitions là. C'est le moment là. Non, oui. Bon, clairement, les mangonos, Allez, la dernière, là. Pourquoi j'arrive pas à les placer dans l'eau, là? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a, là? Ici, on a les samouraïs qui ont pris la max. Oh mais quel enfer! Ah ouais, tu penses que j'envoie trop d'unités en même temps? Vous, vous me foutez le feu à ça, et vous, bah, vous allez me foutre le feu à ça, quand même. Voilà, ça c'est fait. Voilà, quand même, on remarquera l'efficacité des samouraïs. Foutre le feu au bâtiment en 2 secondes alors que l'autre galère à fond quoi. Voilà.
Là, la strat, c'est que je vais envoyer un max de monde ici. Bah, là, maintenant. La troupe numéro 3. Parce que du coup, ça, je pense que ça va les faire réagir. Eux vont perdre, ils vont vouloir partir. Ce qui est bien, c'est qu'on a comme on n'a pas du tout attaqué. Par contre, eux, ils ont tellement... Depuis tout à l'heure, ils courent tellement partout, là, les mecs. Qu'ils sont en train de se faire claquer la cheville, quoi. Regardez, mais putain, ils sont crevés, là. Ils vont aller faire quoi? Faut faire aller où, quoi? Merde. On va pouvoir avancer mes troupes. Pour qu'ils soient à portée de tir des, s'il y a des alliés qui arrivent. Juste faire gaffe de ne pas être à portée 2, ça ne veut pas. Ça ne servirait à rien. Vous, vous avez trouvé sur qui tirer? Ah mais oui, parfait. C'est quoi ça? Les cavaliers. Eh ben ouais, c'est pas le plus important, mais c'est toujours ça en moi. Hop. Ah voilà. On est à leur portée. Allez, les premiers à se présenter, c'est les premiers à prendre la douche. Non, ils ont pas l'air de vouloir libérer le cette porte. Morale solide, ils ont perdu plus de la moitié de leur boy. Bon bah écoutez, on va y aller hein. Ah, ça me fait chier parce que je sais qu'eux ils peuvent faire un carton en fait. C'est les Yaris, ça. Et ils vont pas avoir un gros avantage. On va essayer de faire un méga bloc pour bien bloquer et ouais, les Nagitana, ils ont pas de, ils sont pas très forts quoi. Enfin, ils ont pas de formation particulière. Ah, ils peuvent passer là. Le général, il va se mettre là pour avoir un peu quand même de présence. Et eux, bah, ils vont y aller. Non, ils vont pas y aller, toujours pas. Je suis pas entièrement décidé. Ce qu'on va faire, c'est que eux là, ils vont pouvoir faire un carton sur eux là. Bah oui, carrément. Donc clairement là. L'IA est, ouais, elle est pas fabuleuse. Hein. Et là, ils vont se prendre la max. Eux. Tuer un de leurs généraux, c'est pas mal. Hein. Ah non, c'est un samouraï katana, visez-moi ça. Si, bah maintenant on peut y aller là, je pense que c'est ok.
se prendre de... Nos troupes sont en train de flancher. Battez-vous comme des démons. Ramène ton général pour le soutien moral. Ouais, ça y est, il est là. Il l'a. Tout le monde là. Allez, il y a plus de... Si eux, ils arrivent, là, c'est gagné. Là, je suis en train de bouffer plein de leurs unités plus doucement. Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui traîne, là? Hop. Ici, on a quoi? Samouraï Yari. Samouraï Katana. On va pouvoir aller détruire cette tour. Enfin, retirer l'occupation de la tour. Le ralliement, mais le ralliement, ça sert pas. Enfin, quoi, ça sert le ralliement hein? Ouais, c'est juste pour un regain de morale, il n'y a aucun autre bonus. Là, mes troupes, elles n'ont pas de morale perdue. Alors, par contre, mes archers font là. Et ça y est, eux ils sont rentrés. Voilà. Et vous? Ouais, mais là regarde. Curieusement, ils sont à 40, mais le moral il est à fond là. Par contre, ça c'était pas très malin. Merde, j'avais pas vu. Non, c'est les vassaux samouraïs. Les vassaux, la fatigue te donne un gros malus de morale, le debuff. Ouais, mais le ralliement, ça augmente pas le... Ça augmente pas, ça réduit pas la fatigue. Là, ce qui est bien, c'est qu'ils m'envoient leurs troupes au fur et à mesure, donc bon. Ouais, ça augmente que le moral. Ouais, ouais. Non, ce que je veux faire, c'est que là, maintenant que ces troupes-là sont arrivées, celles-ci, elles vont, voilà, vont passer en arrière-plan. Juste pour soutenir au cas où. Et elles vont se reposer tranquille. Là, c'est mes archers qui vont faire le taf, hein, je crois. Oh bah voilà, c'est gagné. C'est leur morale qui a flanché. On n'aura même pas dépassé la porte. Enfin, on aura à peine dépassé la porte. C'est bizarre quand même. Hein. Le moral là, il a flanché d'un coup. Il leur en restait encore quand même 4 ou 5 unités. Bon, ils auraient jamais gagné. Mais... Ah ouais, ça s'est passé tout seul. Quoi. On a perdu 340 gars. Franchement, c'est d'une... propreté royale quoi. Kyoto est capturé, quelle belle récompense. Kyoto est tombé sous notre contrôle, nous la devons tenir pendant un an pour pouvoir prétendre au shogunat. Donc maintenant je suppose que tout le monde va vouloir me casser la gueule. Alors la question c'est, est-ce que Kyoto va m'attaquer une de mes villes ou elle va vouloir absolument attraper la ville qui est là. Ah par contre là, qu'est-ce qu'on est bien avec ça là. Là, on a de quoi tout recruter. Là.
Enfin, non, pas tout, mais... Tiens, d'ailleurs, on va pouvoir faire ça. Qu'est-ce qu'on a, là? Les moines, les archers... Hop. Toi. Non, c'est au prochain tour. Et ben, on va voir ce que ça donne là, maintenant. Maintenant qu'on a capturé Kyoto et qu'on se propose en tant que shogunat. Ouh. Allez, toi, tu vas rester mon copain. Hein. Hey. Guerre déclarée. Il m'a pas déclaré la guerre, hein, l'autre. C'est étonnant. On l'a fait ou pas? Ouais, allez, ce sera la dernière pour le fun. On va les attendre avec des mangonos qui tirent à côté. Les mangonos. Ça se trouve, en plus, le mangono, comme il est, on peut pas le bouger, je vais le placer à un endroit et... ça va être débile. Je sais même pas si on peut pas détruire les ponts, je crois. C'est dommage. Ah oui, bah oui, aucun problème, c'est sûr. Même ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une défense intérieure. Alors, mes alliés, ils arrivent par là-bas. Là, je vais les attendre ici. Hein. Je vais mettre mes samouraïs là. Mes gars, ils vont être... Ouais, on va faire un truc... On va les laisser rentrer. On va le mettre là, le mangono. Quoique, ces portes-là sont... Toi, tu peux tirer jusqu'où, là? Jusque là-bas? Ouais, c'est bien. Non, en fait, ce qu'on va faire... On va mettre tout le monde ici. Et en fonction de l'endroit où ils attaquent... J'espère qu'ils vont pas attaquer par derrière, parce que ça veut dire qu'ils vont intercepter ma deuxième armée. Ah mais non, mon armée, elle arrive par là-bas! On verra. Et voilà. C'est exactement ce que je ne voulais pas. Donc ils arrivent de tous les côtés, donc on va faire une défense intérieure. Allez, venez. Coucou, on est là. Bonjour, comment ça va? Va-t'en, général. Hop, hop. Mur de Yari! Non, c'est des archers, ça. Oh là, c'est le bordel. Il y a trop d'unités. Mur de Yari! Mur de Yari! Voilà. Ah, ils ont tourné pour les attaquer. Oh, les... Oh là! Oh, puis en plus, il les a touchés, quoi. Oh, le mec, il s'est réveillé, il s'est dit « Je sais faire du kung-fu. Je sais faire du mangono, quoi. »
Le gros des troupes est là-bas. Mais j'en ai quand même beaucoup qui arrivent par là. Ouais. Ça y est, c'est disparu là. Oh, vous allez où? Vous pouvez rester là. Je n'ai pas besoin de vous. Le temps que j'organise correctement mes défenses, j'aurai pas le temps de m'occuper de vous. J'en ai qui arrivent par là-bas? Non. J'en ai qui arrivent par là-bas par contre. Vous et vous. Ici. Ah oui, alors là par contre, il a tiré bien une fois par contre, là je sais pas comment il a fait. Hein. En vrai, il a manqué sa cible. Ouais, oui, c'est ça. C'est le coup de bol. C'est trop le bordel, c'est trop le bordel. Vite. Non, ça c'est des soldats. Oh là là. Vous. Non, vous êtes pas assez. Ah mais il y en a d'autres qui arrivent là? Merde! Ah putain, ils ont sorti les archers. Ah bah d'accord. Morale en berne. Voilà, ça c'était la cave légère. Ouais, ouais, ouais. Cadeau! Mmh. Allez, si vous arrivez à les intercepter, vous êtes les boss. Voilà, eux ils ont pas du tout kiffé. Allez, courez là. Ici c'est gagné. Là la cave elle a encore fait chier. Non, mais la cave qui m'emmerde. Ça y est, la cave est passée. Ouais, ouais, ouais. Après l'IA a tendance à faire beaucoup de commandes de lancer du coup. C'est ça qui me fait un peu peur. Encore des munitions toi? Mais oui! Tu tires sur quoi? Par contre, ça va. On va se calmer un peu quand même. Pied à terre et on n'en parle plus. Ah ouais? Ouais, c'est vrai que j'utilise rarement la capacité pied à terre. Au prochain tour, on les termine. Cool, du coup, elle s'est comportée comme une armée de rébellion. Donc, ça veut dire qu'elle a attaqué la ville sans réfléchir. Quoi. Là, c'est même pas dit. C'est vraiment, elle a dit il faut que je récupère ma ville. Oh, ça va, il reste plus rien dans leur armée. Tiens, peut-être que. Ah, ça y est. Tireur d'élite. Plus 2 d'expérience pour toutes les recrues. Non. Je vais pas recruter tout de suite. Donc. Tour 1. Regarde dans ta réputation dans l'onglet des factions. Ah oui, bah tiens, on va s'amuser avec ça.
Mais ils font encore du commerce. Ah, du coup, c'est devenu leur pote. Ah, les enfoirés. Ah non, c'est les Takeda. Ah, les Takeda qui vont venir. Bonjour, vous voulez faire la paix? Demandez la paix. Parlez si vous le devez. De toute façon, tout le monde va me déclarer la guerre, donc... Eux, ils m'ont déclaré la guerre, par contre. Hop. Citadelle surveillée. Agent, recrutement. On recrute un nouvel agent. Des archers. Ici, on a quoi comme armée? Construction. Armée. On a beaucoup d'archers. On va recruter des archigalous. C'est l'armée qui va défendre la ville. L'île. Hop. Ah non, oui. Déclarer la guerre. On ne veut pas leur déclarer la guerre. Le Metsuke. On va le faire venir par ici. Tu vois le symbole du clan en bas à droite ou dans les ou écran des objectifs? Ouais. Ouais, ça. Ça. C'est ça quoi que tu veux voir? Hop, dans l'onglet des objectifs. Tu as une réputation de encensé, ouais. Oui, c'est parce que en fait j'ai attaqué Kyoto avant que je sois, je sais plus comment ça s'appelle, magistral là ou légendaire. J'ai pris les devants. 2900. Là on a un marché. Non, ce qu'on veut faire, c'est justement on veut faire monter un marché qui a la max. Ah oui, mais il nous faut 3400, ouais. Ah oui, d'accord. Là, apparemment ils se refont la guerre. Là, ils veulent pas me déclarer la guerre. Hein. Ils ont arrêté le. On n'est plus alliés, mais. Après moi ça me va. Hein. Si je passe Shogun sans qu'on me déclare trop la guerre. Il y a juste eux là qui m'ont déclaré la guerre, mais ils sont hyper faibles, donc m'en fous. Ils sont tellement faibles que. Ah ben non. Bah attends, c'est qui alors qui m'a déclaré la guerre? Ah non, c'est eux, c'est ceux du bas, non, ils sont... Oui, d'accord. Et ils sont pas hyper faibles. Ouais, les Hojo, ils ont mis fin à l'alliance. Bonjour. Faites-moi vos beaux discours. Allez. Mais ne vous imaginez pas seul instant que seuls tes mots feront pencher la balance. Hop, un petit mariage. Et un otage. On peut parvenir à un accord. Quand vous considérez mon offre, est-ce que tu penses que ça vaut le coup? Est-ce qu'ils vont pas regarder l'arbre entier? Est-ce qu'ils vont pas mettre fin au truc après? Parce que bon, l'IA, clairement, on aura été dans la vraie vie, j'aurais dit. Il va mourir ton otage, et c'est grave ça? Enfin, non, oui, au-delà du fait que c'est triste, mais dans le jeu. Bah, c'est mon fiston. Oui, mais c'est pas vraiment mon fiston, c'est un pig, enfin... En plus, bon, j'en ai déjà un de gosse, hein. J'ai des armes. C'est quoi, en plus? Il a quel âge? Il a 14 ans. Parce que j'ai déjà un fiston qui a 26 ans, il est général, l'arbre généalogique, on s'en fout.
Bah ouais, c'est bien ce que j'avais l'impression. Il y a pas, genre, il y a pas de pénalité, genre au moral, l'otage est mort et tout ça, quoi. Je crois pas. Mais en fait, ce que je veux, c'est que c'est surtout pour le pognon. En fait, là, il me demande 2600. Le truc, c'est que après, tu perds un général gratuit. Oui. C'est ce que je veux pas, c'est que est-ce que d'après toi, il va me déclarer la guerre quoi qu'il arrive en fait, même si j'ai, on a créé une sorte d'alliance un peu forte avec un mariage et tout ça. お命じを迎えませぬ。この御命令をお家のために次の御命令を。お命じを。母、殿のためならば海に散るは本懐にございます。 Bon. Écoute, on va voir le tour d'après. Ah ouais? En tout cas, ils font encore bien la guerre. Hein. Ça se trouve, j'ai retourné le jeu en mode j'ai pris tout le monde de vitesse. Parce qu'ils me déclarent toujours pas la guerre. Hein. Bon, voilà, y a lui qui arrive. C'est moi le stagiaire en fait. C'est la seule explication que je trouve. Ouais, ça se trouve le jeu a bugué hein, tout simplement. Normalement tu passes ta réputation légendaire quand tu prends Kyoto, ouais. On va voir comment... comment ça va évoluer cette histoire, parce que de toute façon, oh là là, il m'attaque avec... Oh la belle formation qu'ils m'ont faite, là. Les navires de commerce, vous allez juste tirer. Ça, c'est des cobayes d'archer, ça. Ouais. Un. Deux. Trois. Trois, j'ai dit. Non. Ah oui, d'accord, elles sont toutes... Voilà. Alors... Hein? Quoi? C'est quoi ça? Quoi? Il a FF dès le début, lui. Il y avait personne. Non, j'ai pas une... Ouais, ils sont bons, bah salut. Et en fait, c'est vrai que quand je l'avais capturé, il y avait plus personne dedans, donc c'était un navire un peu à blanc, quoi. Ah oui, il m'envoie tout de suite... Ouais, je sais pas si je vais la gagner, hein. Le mec, il a dit, c'est mort, allez, salut! Bon bah moi qui voulais poser un beau champ de mine. Alors ils arrivent en plein sur ma tronche là.
Je m'étais dit j'ai 6 mines, ça va faire le taf. Pof. Ouais, là il m'a esquivé les mines, hein. Il a full esquivé mes mines, hein. Attaque-le là. Bon, là, je pense que je m'y suis très mal pris là. Boum! Ça te fait rien! Ouais, ça fait vraiment pof hein. Oui, c'est pas grave. Non, mais c'est parce que tu sais, c'est le bateau. C'est le bateau comment. Qui me rapportait de l'argent, là. Tu sais. J'aurais dû faire ça en fait, j'ai pas du tout utilisé mes compétences en fait. J'étais tellement en train de paniquer que j'ai pas utilisé mes compétences. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller autrement. Super, je connaissais pas ça. Bon allez, finissez ça vite là. Ils vont me faire traîner longtemps là. Hop, on pousse les copains. Voilà, allez, barrez-vous tous. Mettez-y si on peut... si on peut en emporter un de plus avec nous. De fait de justesse, bon, clairement, c'était pas une défaite de justesse. Bon bah sur cette note positive, on va se laisser là.
On va attendre la fin du tour de l'IA. Comme ça, on commencera sur un tout nouveau tour et puis on verra ce qu'on va faire. Voilà, on a tout perdu. Hop, je m'en vais. Comme un prince. Ouais, évidemment, il y a toute sa flotte. Là, en fait, tout ça, c'est mort. Toute cette flotte, tout ça, là, c'est mort. Le navire noir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Monseigneur, un grand vaisseau fait route vers le Japon par l'Est. Un puissant navire de commerce européen exerçant un pouvoir plus destructeur que tout ce que nous pourrions jamais construire. Nous devons le pourchasser et nous emparer de ce navire noir. Un tel bateau nous rendrait indomptable. Je suppose que c'est un navire à canon ? C'est des navires à vapeur et tout, là. Je pense que c'est super fort, non ? Ah mais je suis triste. Ah non, 75, il me reste encore 10 années. Et 5, donc 40 tours. Pour avoir les 25 provinces. Ok. C'est un bateau à voile. Ah ouais. Ah la tristesse. Je vais juste faire ça pour pas que j'oublie. Ça, c'est le genre de truc que je peux facilement oublier. On est toujours en paix, hein. Bon bah écoutez, ça a été très intéressant. Je vous dis salut YouTube, à la prochaine et au plaisir.